Et naturellement, j'en viens à l'autre type de plan que j'ai beaucoup bossé au doigt, c'est le jeu en sixte. Je pense que vous connaissez tous les plans à la Steve Cropper. Voilà, et ça au jeu au doigt, en fait, c'est hyper utile puisque du coup, vous n'avez pas le saut de corde à faire. Après, voilà, il y a plein de petits plans rigolos qui viennent au fur et à mesure que vous vous habituez à ça. Par exemple, il y a un truc que j'adore, que j'ai piqué à Danny Gatton, qui est le fait de jouer une même note avec les deux doigts l'un après l'autre, en étouffant à chaque fois. Voilà, et quand vous mêlez ça à un bend, ça donne un truc assez, assez fabuleux. Typiquement, on l'annonce et ensuite on le reprend avec le son de poule comme ça.